Bonjour à tous, on se rejoint dans une nouvelle vidéo sur Star Stable pour l'achat, la revue un peu en mode RP du Poney Gotland. Donc avant de commencer, je vais quand même aller vous montrer la crinière et les nouveaux licols disponibles. Et après, on commencera ainsi la vidéo roleplay. Donc c'est parti. Concernant les nouveaux licols, nous avons ce petit licol vert. Relève la tête, Coco. Un licol violet pastel, rose. Et quelques licols en cuir, noir, blanc et marron. Nous avons également un petit licol bleu que je vais vous montrer de suite porté en jeu. Voilà, en mode photo, qui ressemble à ceci. Sur ce, on se retrouve aux crinières chez Steve. Alors, concernant les crinières, donc nous avons sa crinière de base. Avec sa queue de base, franchement, je trouve ça très mignon. En plus, c'est animé. Concernant la crinière courte, nous avons comme ça. On va pousser un petit peu qu'on puisse voir. Et la queue, du coup, est comme ça. Je n'aime pas trop. Enfin, je trouve que ça lui va, ça rend moins bien. Ça lui enlève ce petit charme qu'il a. Nous avons ensuite les pions. Alors ça, qu'on se l'avoue, les pions, ça lui va vraiment super bien. Ça fait petit poney de concours. Donc très joli. Ensuite, nous avons la crinière comme ça. Donc après, ces crinières-là, je trouve que ce n'est jamais très foufou. Enfin voilà, un pas top top. Et nous avons surtout sa coiffure spéciale. Donc hop, qui est les petites nattes. Et je vous avoue que en spoiler, je n'étais pas fan. Mais en jeu, j'aime beaucoup. Donc on va l'équiper pour le moment, comme ça, notre petit poney. Sur ce, nous allons donc... Oh là, c'est quoi ça encore? Nous allons nous retrouver pour la partie roleplay, donc je vous emmène avec moi. Il est à peu près 11h quand j'arrive au ranch de Sudoven. En effet, Hugues m'avait proposé un poney à venir essayer pour du travail. C'est un poney du nom de Gatsby. Un petit poney de Gotland avec un peu de sang Connemara, âgé de 8 ans. Ce poney a été débourré, castré très très tard, donc il a gardé son caractère dentier et son ancienne propriétaire n'en voulait plus parce que le poney avait donc pris le dessus sur elle. J'ai donc décidé de venir le voir et pourquoi pas même de l'acheter, mais avant on va regarder son comportement, etc. Je m'approche donc gentiment du poney, lui fais une petite caresse parce que c'est important et je vais m'en occuper. Après l'avoir équipé d'un licol, je commence par le j'ai donc fini de brosser et de curer les pieds de Gatsby. C'est un poney qui cherche beaucoup à chiquer et un petit peu à taper en vache, soit c'est-à-dire donner un coup avec son patteur sur les côtés. En effet, c'est assez typique d'un caractère dentier, mais en main, il a l'air assez calme. Je vais l'emmener dans la carrière pour pouvoir voir ses allures, et après, Hugues m'a dit que je pourrais le tester un petit peu monté, voir ce que ça donnait. Nous allons donc gentiment nous diriger vers la carrière du ranch de Sudoven. J'espère que cet essai sera concluant afin que ce petit poney puisse repartir avec moi. Je commence par regarder son comportement à l'arrêt. Il se secoue, se regarde un petit peu côté. Il a l'air assez curieux, il bâille, puis après va-t-il peut-être se mettre à brouter. Mais sur ce, on va commencer à regarder comment il se déplace. Je vais donc aller m'équiper d'une chambrière gentiment pour le pousser un petit peu et ce sera parti. Je commence par regarder son allure au pas. Donc c'est un poney qui n'a pas une grosse amplitude, hein, qui cherche à aller chercher devant. Je trouve que le pas est une belle allure. Donc en même temps, je vais vous les décrire. En fait, on sera dans le roleplay, mais en même temps, décrire ce que je pense de l'allure. J'ai l'impression que les nattes sont légèrement animées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ainsi que le toupet un petit peu. Donc le pas est une allure réussie. Après avoir bien fait marcher Gatsby, je vois qu'il se met à reculer. Il recule franchement et se cabre, comme pour se rebeller. Il a un cabret vraiment très mignon, mais il a l'air d'être caractériel. D'ailleurs, on a pu voir que sa crinière était animée. Ensuite, au trot. Alors, il a un trot vraiment particulier. Il n'est pas très en place. On peut voir qu'il se creuse le dos, qu'il a du mal à engager avec ses postérieurs. Mais c'est un trot vraiment aérien. La queue et les crins sont également déjà animés. C'est plutôt plaisant comme petite allure. Néanmoins, j'espère qu'avec le travail, ce poney arrivera à pousser un peu et viendra améliorer son engagement des postérieurs afin de travailler avec son dos. Je regarde ensuite le petit galop. Donc, une allure pareille. Très plan-plan, il a l'air assez calme. Il a un petit galop vraiment mignon. Très joli. Il se déplace tranquillement. Il est très très sage. Il va un petit peu là où il veut. Mais tant qu'il ne vient pas près de moi pour m'embêter, cela me convient. Ensuite, je le fais accélérer pour voir son galop moyen, qui va un petit peu plus vite. Toujours des allures très rebondies, assez aériennes, c'est vraiment joli à regarder. Et on continue comme ça. Pareil, au niveau de l'animation des crins, je trouve ça très joli. Et il n'y a pas de bug d'animation, pas de saccade. Et ensuite, nous avons donc le grand galop. Patapam, patapam.
Donc là, on peut voir qu'il va un petit peu chercher devant, mais il n'a pas non plus une grande amplitude. Après tout, c'est un poney. Donc c'est plutôt pas mal pour lui. Et là, il s'arrête. L'arrêt brutal, rien à dire de particulier, hein, très joli. On continue donc de l'envoyer en liberté, mais il s'arrête. On peut voir que Gatsby commence à se rebeller un petit peu. Nous allons regarder donc là pour la revue le saut. Donc le saut au petit galop. Ouais, il a l'air de plier fortement les antérieurs. On va essayer de faire un petit arrêt sur image. Voilà, donc, ouais, il n'est pas très, comment on dit, symétrique des antérieurs, mais le geste est plutôt beau. Il a l'encolure quand même un petit peu arrondie, ça lui va très bien. Maintenant, le saut au galop moyen. Petit galop, donc galop moyen. C'est un peu le même style de saut, hein, rien de particulier qui a changé. Regardez le saut au grand galop. Ah, donc là, il est un peu plus symétrique dans ses antérieurs. Hop là, regardez, voilà, un peu creux. Donc il saute un peu creux, mais c'est joli. Après avoir laissé Gatsby se défouler, je vais pouvoir donc remonter dessus. J'ai donc équipé Gatsby et je vais écourter la séance. Je vais vous expliquer les points clés que j'ai pu travailler. J'ai donc travaillé beaucoup les transitions comme c'était un jeune poney. En effet, il n'a pas beaucoup de travail. Comme sa propriété a été vraiment dominée par lui, mais vraiment il avait pris le dessus et plus la relation via le respect. Il faut lui demander des choses très simples comme un jeune. Après avoir effectué diverses transitions, où Gatsby s'est bien comporté, je n'hésite pas à caresser à chaque bonne réponse de sa part. Je vais donc tenter un petit départ au galop, mais malheureusement Gatsby se cabre. En effet, il n'a pas l'air de tolérer vraiment la demande dans les jambes et préfère se pointer. Après avoir essayé plusieurs fois, je réussis à prendre le petit galop. Et je caresse. Je galope à main gauche, puis après je galope à main droite. Je ne vais pas le tester sur l'obstacle aujourd'hui parce que j'estime que ça ne sert à rien. Je l'essaierai sur l'obstacle dans la semaine si tout se passe bien. Je prends le temps de changer de main en demandant toujours beaucoup de transitions. Je prends une petite diagonale au trot et demande un petit départ au galop. Que Gatsby m'effectue très très bien sans chercher à se pointer à main droite. Il est peut-être plus sensible à main gauche, je ne sais pas. Il va donc falloir que je trouve un programme de travail adapté pour lui et adapté pour nous qui ira dans le sens de la progression. Vous l'aurez donc compris, Gatsby sera le cheval principal des vidéos roleplay qui vont sortir prochainement. Il y aura également d'autres chevaux qui seront secondaires. À main droite, d'un coup, Gatsby cherche à m'embarquer. Du coup, je mets la main un peu fort, il s'arrête, se recule et se casse. Il n'a vraiment pas l'air content. J'essaye donc de repartir, mais là, pareil, presque impossible. En le temps, je prends le pas. Puis, quand tout va bien, le trot. Et je redemande le galop, où il part un peu fort, mais au moins, il n'a pas cherché à se pointer. Après cette séance, je repasse gentiment au trot et au pas, et caresse. Je vais donc aller voir Hugues. Je papote gentiment avec Hugues et on en conclut que le poney repart avec moi. Je vais donc tranquillement le charger au vent et on va se retrouver du coup à l'arrivée à mon écurie Orange. Je vais laisser Gatsby au pré un petit peu pour la journée avec d'autres de ses congénères, tout en faisant attention à son petit caractère dentier et je retournerai le voir dans l'après-midi afin de pouvoir m'en occuper, le manipuler gentiment. Sur ça, je ne vous emmènerai pas avec moi, mais vous aurez bien sûr les progressions de Gatsby au fur et à mesure. On se retrouve à l'écurie. Arrivé au ranch, j'ai lâché Gatsby après l'avoir montré à Josh directement dans le paddock avec le petit poney Chincoting afin qu'il ne soit pas tout seul. Je vais donc lui laisser le licol car je ne sais pas comment il se laisse attraper au paddock en fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Ah pardon, avant vous voulez peut-être ma conclusion sur le poney Gotland. Attendez, du coup on quitte le mode RP. Alors, mon avis sur le poney Gotland. Je trouve que c'est un poney vraiment physiquement très mignon, bien proportionné. Dans ses allures, je les aime à peu près toutes. Le seul reproche que je lui fais, mais ça c'est mon avis personnel, vous voyez dans son trot, je trouve que le placement de sa tête est vraiment trop haut. C'est pas... Voilà, je ne trouve pas ça très très élégant, mais sinon ses allures sont plutôt sympas et le physique du poney est très mignon. De plus, pour un poney à 750 starcoins, sachant qu'il a une crinière spécifique et des... une crinière spécifique, et voilà, il avait un autre truc, et elle est animée exactement, je trouve que c'est plutôt raisonnable comme prix.
Chez So, vous pouvez nous sortir que des chevaux comme ça à 750 Star Coin, franchement, bravo. Donc ce poney pour ma part est une réussite et ce qui est sûr c'est que j'en achèterai d'autres. Sur ce, c'est vraiment la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!